Dans le nom de Jésus. Il n'y a plus. Oh, non, non, non. Si on commence ici, ça va chauffer. Makete la machakata la mandelebo. Meketa la macha. Libre bro, sakaya. Oh, c'est la bonne nouvelle du royaume. Il est celui qui fait les œuvres. Non, par, ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a. Makate lebo shakalama. Preke lobosa. Toi qui es là, tu n'as même pas besoin d'attendre vendredi. Je déclare et je décrète que l'esprit mauvais, l'esprit d'impudicité, l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'échec, l'esprit d'infirmité, l'esprit de cancer, de sida, de dépression, de découragement, de colère, de jalousie, d'envie, de servitude, de cigarette, de drogue, sort au nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom. Les camades, les mots, sacatalama. Les barreaux, marrelés. Les camades, vous brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes. Maladie incurable, maladie des os, maladie du sang, brisée, maladie des nerfs, maladie des os, brisée. Lever la voix et déclarer les chaînes que tu vas tomber. Appelle-les par leur nom. Parle à la montagne. Les gabayas d'Abaos. Élève la voix. Parle aux chaînes. Maintenant, je vois les chaînes. L'esprit de puissance, onction de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Il fait tomber les chaînes. La bonne nouvelle du royaume. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Les chaînes tombées. Stérilité, échec. Impudicité,
l'immoralité. Sirène, dehors. Par l'esprit de force, par l'esprit de puissance, je vois les chaînes de la paralysie sauter, briser. Seigneur, merci. Les chaînes avaient déjà commencé à tomber. Les chaînes continuent de tomber. Les chaînes tomberont définitivement avant la fin de cette année. Personne ne restera lié, enchaîné par un démon de l'enfer. Mais tous, nous serons liés, prisonniers de Christ, liés par l'Esprit. Voilà notre partage. Merci. Les chaînes avaient commencé, elles continuent et elles tomberont définitivement. Et vendredi, nous ferons le ministère ensemble afin que les chaînes tombent définitivement. Les luttes intérieures, les combats internes que tu sentais prennent fin cette semaine au nom de Jésus. Les labeurs, les douleurs, les souffrances, les agonies que tu ressentais à l'intérieur cesse cette semaine au nom de Jésus. Cette parole est comme un feu. Cette parole est comme un marteau. Elle est un marteau qui brise le roc. Un feu qui consume les dépôts, les souillures sataniques, occultes, diaboliques, démoniaques. Elle consume. C'est un feu qui consume les virus, les microbes, les cancers, les tumeurs, les kystes, les fibromes, qui consument à la racine. Merci pour la parole annoncée, la parole proclamée, la parole qui est reçue, la parole qui est conçue, la parole qui sera manifestée. Au nom de Jésus.